Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui pour Ivoire TV Show Africa Rendez-vous Connection. Serge Niawa pour cette grande émission, votre animateur principal. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui va nous parler d'un sujet brûlant sur les cancars. Elle nous a apporté beaucoup de photos, ce que je suis en train de montrer d'ailleurs. Ces photos, elle va nous parler de quoi elle a été capable sur ces photos. Donc, je vous les montre brièvement pour en savoir plus. Ladies and gentlemen, this is Serge Niawa for Ivoire TV Show Africa. Rendez-vous connection. I have an important guest today. She's going to talk about a cancer, some pictures. And also, yeah, let me show you the pictures. And she's vexed. She's going to talk about why she's here today. Celestine Debo, I think you have some issue to talk about it. I just let you to introduce yourself to the public, and after that, you will talk about your issue. Thank you. My name is Celestine Debo. I currently live in Minnesota, and I was a member of ECANCA since Benin, West Africa. And today I am no longer a member of ECANCA. I left because of what happened to me. Today I'm a member of a church called Universal Christian Ministry. I'm a Christian. Today you are Christian. Before you was ECANCA, and after that you left. Très bien, yes. Okay. What was your motivation to go to ECANCA? Okay. When I was in Benin, I was Catholic. So I used to go to church every morning. I used to take my communion before going to work. And one day, all of a sudden, I became blind. I could not see with my left eye. So I couldn't see. I was going to the hospital, and no doctor could help me. And a friend of mine, she was out of the country, and she came. She was very surprised to see me sick. And she told me that she found something called ECANCA. She said, not to worry, that ECANCA will help me. And I said, what? She said, no, don't worry, ECANCA will help you. And she said, all I have to do is to sing the word heal. It's the spiritual exercise. And she gave me the picture of a spiritual leader. The spiritual leader is Aaron Klimp. He said, just sing the word heal and ask him to come and help you. She told you to sing the word you. Yes. And what you means? Okay. She told me that you is the word H-U is the name of God, is the ancient name of God. And we can sing it like you. And before that, you told that you was Catholic. I was Catholic. Now somebody come over to you and say, we hear about another God name, the son is you. And that person spend her time to tell you about this church. C'est ça. Is that church. And you agreed to go there. Because I need help. Because you need help. I need help. But before that, when you was with Catholic, and you know that Catholic is Jesus, and you left Catholic, and you went to ECANCA, another God, because you need help. For you, you wasn't trust in Jesus Christ. And what's happened again? Okay. When I was singing here one day, the spiritual leader, I saw him in my dream. And something happened. And when I woke up, I have my sight back. Let me bring it that way. Your friend come to you and told you about ECANCA. Yes. At that moment, did she bring you? How did you get inside of ECANCA before, you know, talking about you? Because you have to be inside and talk about you.
she told me that I don't have to be inside before I can receive help from the spiritual leader. And who was the pastor? I don't know if I can, you know, ask it like that. Who was the pastor? The parent told you about sometimes when you go to the Catholic Church, mm-hmm. you can see your pastor talking about priest. A priest. Okay. Now somebody come to you and talk to you about a canker, yeah. and say, if you sing the word you, mm-hmm. you will get something else inside. Yes, was you looking to get a stable your life, or because you left Jesus and going there? No, I did not leave Jesus. Okay. I was sick. I was going blind. You know, when you are sick, you are always looking for help, and you will take anything that they offer you. And when I was healed, I did not know how to move from my Catholic church to move to go to Ekaka. Was you believing in Jesus Christ when he was sick? Yes, I was praying. I was praying. I was doing everything. And but he wasn't patient when he was praying. He wasn't patient because you talk about Jesus in Catholic Church, and from there you jump on another church. You know what happened? Go ahead. I give you some chance, you know, to talk about what you're living for. All of a sudden, a man appeared in my dream after I was healed. And this man looks just like Jesus. And he said, Celestine, your new path is Ekanka. This is your new path. And I said, wow. I said, Jesus. Jesus told me to go to Ekanka. And I was so happy. And that's when I joined Ekanka. And when I joined Ekanka, many told me that, yes, Jesus came to talk to them. But after I left Ekanka, I realized that it was not Jesus. Because during my deliverance, the spiritual leader himself, he confessed. He said, no. He changed into Jesus. You know, he can change into anything. He said, no, it was not Jesus. And I was reading the Bible. You know, when I go to 2 Corinthians chapter 11, verse 14, it said, and no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. And what's happened? What's happened? That's when I knew that it was not Jesus. It was not Jesus, you know. The guy who came to you was not a Jesus, mm-hmm. but you accepted to sing the you, and you did not go where, you know, the church was located. No, I did not know that he was Jesus until I left the church in 2012. I joined Ekaka in 1991. When you joined Ekaka, did you go the location where, you know, Ekaka is? Yes. Talk about it. Yes. Ekaka, that's why we are here. Ekaka is called a religion of the light and sound of God. And they talk about love all the time. You have to love your neighbor as yourself. You cannot have an enemy. The day I started going to Ekaka, a lady was not talking to me. I went to her and apologized, and we started talking. They said, it's all about love. You have to have love for everybody. And in Ekaka, the spiritual leader, his full title is Mahanta, the Living Egg Master. Okay. And it is not like any other church where you can speak one-to-one with your priest or with your pastor. You know, at night, he takes members in the dream. He teaches them in the dream. The teachings has two parts, outer teachings, where you can read books, you can go to seminar, we can get together, and inner teachings. The inner teachings is the most important part in Ekaka. That's where the spiritual leader himself meets with you in your dream and help you and heal you. What's happened to you? That person, the leader mm-hmm. you're talking about? Harold Klem. Harold Klem. Yes. Did you talk to Harold Klem about what you supposed to do when you join in Ekaka? They told you exactly, or you told them what you want in your life? When you join Ekaka, the leader comes to your dream and tell you that he is in charge of your life.
That's what he said. He said, my whole life belongs to him. He will guide me, do everything. And after 6 months of study, that's where you meet with him in your dream. And you are aware of his presence. And when you meet him, what's happened? What happened? You wake up and you feel very in love with him. The bond of love is so strong. And you are not aware of what really takes place. Me, after I left Ekaka, God opened my eyes. That's where I started seeing everything. And me, personally, after I joined Ekaka in 2001, and he gave me the dream to move to the U.S. in 1995. In 1996, he introduced something bloody inside me. He came in my bedroom. He said, God said, I am going to become the next master. And he was forced to open the secret door slightly to me, slightly. I said, And what happened? You will never imagine what happened. After I left Ekaka, he told me that he was forced to confess because the force of the Holy Spirit was very strong. When the force of the Holy Spirit is very strong, anything that is dark, that is Satan, cannot stand the Holy Spirit. He was forced to confess. And he said, during the initiation, he feed people with blood, human blood. And they are not aware of what he gives them. Now, since he wanted me to become the master and he already introduced something inside me, he was forced to talk to show me a few things. After that, he said, I will give birth to 2 children. All this happened. Now you give, he told you you're going to give birth to 2 children. Yes. And what's happened? Did you give birth for these 2 children? I gave birth. The president of Ekaka, his name is Peter Skelski. Peter Skelski. Okay. I started seeing him in my dream. I said, what's going on? And one day, I was in my room, and I saw this gigantic man appear. I started screaming, Mahata, Mahata. Earlier, I said... What is Mahata? Yes, Mahata is the spiritual title of a living egg master, okay, of a spiritual leader. His full title is Mahata, the living egg master. Mahata is his spiritual title, and living egg master is, you know, his just regular title. So he himself tell us that he's Mahata to get, and the Mahata and the living egg master are one. So that's why I refer to him. So when you are in a kankar and you need help, when you scream Mahata, he helps you. He come and helps you. Did you go, let's bring him that way. Okay. Since you have been in a kankar, mm-hmm, did you get help? Did you get something you were looking for? Everything started shifting. Everything started changing. Because you wasn't patient, or the love of God, I don't know if I can say the love of God, the love of that spirit who came to you, mm-hmm, was just in you to looking for something else, or to give you another power where you can send to get, you know, whole of your life, what you are looking for. Because you cannot leave Jesus and go somewhere. Maybe you was looking for the powerful life, you know, to get stable life. I was looking for a better life. You were looking for the better life. I was looking for protection. You were looking for protection. Protection. And you was in Jesus Christ Church, the Catholic Church. Was you think that the Catholic Church wasn't the church, you know, what can you give you this power you was looking for? Remember that right after I joined the Catholic Church? Jesus, I saw Jesus in my dream. I thought it was Jesus. When Jesus told me, go to Ekaka, I was so happy. I felt like Jesus was sending me Jesus, to a better place. Jesus told you to go to Ekaka. That's what I thought. How you can come over with this kind of a statement to tell, you know, because I know people are watching this show. Mm-hmm. And if I call you today, it's just tell the truth to people. You talk about the Jesus.
Have you ever seen Jesus in your dream? I see Jesus in my dream when okay. I was Catholic. But and Jesus came to you and he said, go to Ikanka and it's a better place. That's what they told me, yes. Ladies and gentlemen. But after I left, it was not Jesus. Ladies and gentlemen, I'm Serge Nyawa, and I have today an important guest, Celestine Degbowe. She's from Benin, and she's here to talk about Ikanka, the way she was living, the life she was living in Ikanka. It's amazing, you know, to have her on our microphone and to talk about whatever she was living on. Merci donc d'être avec nous. I'm going to just put in the French for those who are watching the show. I know there's a French people. There's also English people because this is English-speaking country. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui regardent cette émission, vous avez Serge Nyawa, votre animateur principal. Aujourd'hui, nous recevons Celestine Degbowe. Elle est originaire du Bénin. En Afrique de l'Ouest, elle est avec nous pour parler un peu de la vie qu'elle a menée à Ikanka. Célestine, est-ce que vous pouvez regarder devant vous cette caméra pour dire effectivement ce que vous avez vécu, comment on appelle à Ikanka? Qu'est-ce que vous là? Comment est-ce que vous avez entendu parler d'Ikanka et vous êtes jeté là-dedans parce que vous étiez en train de chercher une belle vie? Messieurs et madame, je m'appelle Célestine. J'étais en Ikanka, mais aujourd'hui j'ai quitté. Je ne suis plus en Ikanka. Ce qui m'a poussée à rentrer en Ikanka, c'était la maladie. J'avais perdu la vue. Je ne pouvais pas voir avec mon œil gauche. Et j'allais à l'hôpital. Et les docteurs ne pouvaient pas me soigner. Je priais. Et J'ai une amie qui avait quitté le Bénin pour un stage. Elle est rentrée et elle m'a dit, « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai dit que je ne vois pas. Je suis aveugle, avec un œil. Elle a dit, « Non, ne t'en fais pas. J'ai trouvé quelque chose qui s'appelle Ikanka. Et Ikanka va t'aider. » J'ai dit, « Vraiment ?» Elle a dit, « Oui. » Elle a dit, « Tout ce que je vais faire, c'est de chanter le You. » Le mot H-U. En Ikanka, c'est... On appelle H.U. le nom de Dieu, c'est le nom de Dieu. Il dit, bon, elle a dit, chante le mot You comme You. Et elle m'a donné la photo du maître être vivant. Et comment vous avez chanté le mot de Dieu? You. You. Ça, c'est ce que vous avez chanté. C'est ce qu'on a chanté. Et après, qu'est-ce qui vous est arrivé? Un jour seulement, j'ai vu le maître dans mon rêve. Et j'ai senti que quelque chose s'est passé. Sans toutefois aller dans leur loge, vous avez vu le maître dans votre rêve. Dans mon rêve. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, j'ai senti sa présence. J'ai senti que quelque chose s'est passé. Et quand je me suis réveillée, ma vue est revenue. J'étais aveugle avant et maintenant, j'ai commencé par voir. Donc, vous avez commencé par voir. Quand j'ai commencé par voir, là, j'ai dit, « Ah, mais ça, c'est bien. » Et mon ami m'a dit que tout ce dont j'ai besoin, c'est seulement l'amour. Hein? Que c'est une religion basée sur l'amour. Et je me suis dit, mais je suis catholique. Comment est-ce que je vais quitter catholique pour rentrer dans cette religion? Et un jour seulement, j'ai vu un homme. Il ressemblait tellement à Jésus. J'ai vu, voilà Jésus. Et Jésus me dit, hey, Célestine, ta nouvelle voix maintenant, c'est Ikanka. Et quand j'ai vu ça, j'étais soulagée. J'ai dit, ah, donc je vais rentrer en Ikanka. Donc je suis rentrée en Ikanka. Et donc, en Ikanka, il y a les enseignements. Il y a deux sortes d'enseignements, enseignement extérieur et enseignement intérieur. Pour les enseignements extérieurs, on lit les livres, on va au séminaire. Mais pour les enseignements intérieurs, c'est seulement le maître qui vous rencontre dans les rêves. Ikanka n'est pas comme toute autre religion où vous pouvez parler. Et donc vous avez face à face. Vous avez 10% d'enseignement intérieur. Non, extérieur. Extérieur. Vous avez combien? Vous avez 10% de l'enseignement extérieur. Oui. Et 90% d'enseignement intérieur. Intérieur, ça c'est le maître est qui vous. Le maître est qui vient s'intégrer à vous. Mm-hmm. Qui vous parle, qui vous conseille, qui vous dirige. Quand vous rentrez en Ikanka, vous lui donnez toute sa vie. Il vous dit que toute sa vie qu'il prend. Et vous, toute sa vie, toute votre vie en charge. C'est comme un guide. C'est comme un dieu, oui. C'est comme un guide.
Il vous conduit. Oui, un guide, c'est un guide spirituel. Un guide spirituel. C'est ça. Mais réellement, quelle avait été votre motivation de choisir d'aller à Ekanka? Parce que ceux qui vont aujourd'hui à Ekanka, il y a d'autres qui parlent bien d'Ekanka. Il y a d'autres qui disent que Ekanka, en tout cas, il y a des gens qui peuvent parler de quoi ils veulent d'Ekanka. Mais si vous n'êtes pas prêt pour rentrer dans Ekanka pour recevoir la lumière de Dieu, faire connaître aussi comment vous êtes, connaître aussi l'âme, faire des voyages de l'esprit et aussi des voyages de choses comme un voyage de l'esprit qui est différent du voyage astral, parce que les gens l'ont expliqué. Mais comment vous vous êtes conduit étant dans un caca et puis vous n'êtes pas arrivé là où vous deviez arriver? Parce que vous avez parlé dans votre vidéo mal des Ekanka. Très bien. Vous regardent. Mon cas est très particulier. Je suis rentrée en Ekanka en 1991. Et en Ekanka, le maître vous donne des ordres. Vous devez exécuter les ordres. Donc, il m'a dit de venir aux États-Unis en 1995. Donc, quand je suis venue aux États-Unis, un an après, il a introduit quelque chose de sanguin dans mon corps. Et il m'a dit que Dieu a dit que je serai le prochain maître vivant. Et il a dit que je donnerai naissance à deux enfants. Donc, le président de Kanka, son nom c'est Peter Skelski. Lui aussi, il est vraiment puissant. J'ai commencé par le voir dans mes rêves. Et un jour, il est apparu seulement dans la chambre, dans ma chambre à coucher. Et j'ai commencé par crier « Maranta, Maranta ». Donc, en Ekanka, le spirituel, le maître spirituel, son titre, c'est le Maranta, le maître vivant. Maranta, c'est son nom spirituel. Donc, quand vous avez besoin d'aide, vous appelez son nom. Mais quand j'ai appelé son nom, il a dit, Peter a dit, non, ce n'est pas Maranta, c'est moi, Peter. Et il s'est jeté sur moi, il a commencé par me baiser. Et quand il a fini, j'ai nettoyé. Donc, l'esprit qui est rentré à vous s'est conduit comme votre mari. C'est ce que vous voulez dire ou bien? Non. Peter Skelki, c'est une autre personne. Une autre personne? Oui, c'est le président de Kanka. C'est le président de Kanka. Donc, quand moi, je l'ai vu, j'avais peur. Il a dit, non, il ne faut pas avoir peur. Donc, c'est quelqu'un qui est puissant. Ils ont une autorité puissante. Et en ce moment, je ne pouvais pas parler bien l'anglais. J'étais seule. Et je ne pouvais pas... Je savais et pas c'est quoi. L'anglais dont vous parlez? L'esprit, vous parlez de l'anglais ou bien une autre langue? Non, l'esprit parle n'importe quelle langue. N'importe quelle langue. OK. Donc, après, il a commencé par me fréquenter. Maintenant, il ne fait plus le voyage de l'âme. Il vient comme un homme ordinaire. Il ouvre la porte et il rentre. Comment se fait le voyage de l'âme par rapport au voyage astral? Comment se fait le voyage de l'âme? Le voyage de l'âme, toi seul ne peux pas voyager. C'est le maître qui vient te prendre. Et puis vous voyagez ensemble. Et le maître te prend et vous voyagez ensemble. Maintenant, les membres d'Ekanka ne sont pas conscients de ce qui se passe. Bon, quand vous rentrez en Ekanka, 6 mois après, il vous donne la première initiation. À la première initiation, vous sentez qu'il est venu vous fréquenter. Et quand vous vous réveillez, vous vous sentez amoureux de lui. L'amour qui vous lie est tellement fort. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est la cause de cet amour? Maintenant, comme ils ont introduit quelque chose dans mon ventre, ils étaient obligés de me montrer un peu les secrets. We'll be right back after this song. Okay, que you bully no can I will in me. Yeah. Eh, bon bois bri. Ne touchez pas mon pays. Ah, ça y est. Ne touchez pas ma patrie. La ne touchez plus à ce pays, ah, ça y est, oh. Ne touchez plus à ce pays-là. Ah, vous l'avez belle. Charles Dibi, David Monceau, en vie la souffrance. Aïe, c'est que la Côte d'Ivoire, moi, y'a que les hauts, y'a que les beaux et si mieux. Aïe, à vous, vos appareils. Aïe, c'est à bien c'est que sous du coup, à casser la main. C'est mon esprit, aïe, c'est le seul pays de ma vie. Si tu le détruis, je saurai plus où partir. Aïe, c'est que le pays le plus fréquenté, le plus accusé,
chers amis, cessez le feu, prenez des frères, de sang trop coulé, déposez les armes, arrêtez pas là. Ne touchez pas mon pays, oh, assaillant. Allez, ne touchez plus à ce pays, la Côte d'Ivoire. Patricia Otro, Aïe Serge Aboquet. J'ai vu la guerre au Rwanda, au Libéria. J'ai vu la guerre en Angola. L'Afrique a tué ses enfants en se soumettant au jeu de l'Occident. D'un côté Christian, à vous nos hommes politiques. Le pays n'est pas la boutique où on vient acheter des articles. Évitons le désordre. À cause de vos intérêts, les enfants meurent sur le terrain. On ne fait que les enterrer. C'est nos pauvres parents, ils sont innocents, je vous ferai tous président. Aïe, un fauteuil présidentiel n'est pas un banc. Abbas Diané, Tonga Bayi. Aïe, c'est que les... J'irai libérer Boaké, ne vous trompez pas, j'irai à Koroko. J'irai libérer Boaké, ne vous trompez pas, je suis armé des dialogues. Puis au cercueil, je n'ai même pas de mitraille. Lance-roquettes, pas de charge de conquête. En lieu place des obus, j'irai droit au but, j'ai pris le bus de la paix. Dans le frère assaillant, tu peux tuer 1000 personnes. On est 10 millions de personnes mobilisées, galvanisées, couvre-félisées, bout de tamisé, c'est ça qui est la vérité. Yeah. Mes chers amis, le sang trop coulé, déposez les armes, arrêtez pas là. Welcome back. Serge Nyawa for Ivoire TV Show Africa Rendezvous Connection. I have today my guest on my microphone talking about the life, the darkness life she was living. And we are going to talk about how she was living this life, because she was talking about the soul, all these things. It's listening. About you. And one day, I'm going to speak about the secret. One day, the spiritual leader came in my bedroom, and he turned into a huge snake. And I screamed. I said, oh, what is this? What is this? I am going to call member of Ekanka and tell them that you turned into snake. And he said, no. I'm not going to show you this form again. And when he said that, I found myself in a very beautiful place. I was singing, I was dancing, and he said, no. Ah! I could not believe what I saw. And many Ekaka masters come and they perform all kinds of rituals. And Peter Skelski was there all the time. He was raping me. And Jesus. He was raping you? Yes, Peter Skelski. How? He was having sex with me. Oh, he was having sex with you? Yes. And what's happened? Because what you're talking about is really serious, madam. Very serious. He now, was having sex. This is Peter Skelski. Let me speak with about of the spiritual leader. Okay. And when I wake up, the spiritual leader tells me to buy a chicken. And I buy chicken, I want to cook, and he said, no, we don't cook chicken here. We don't cook here.
He was forcing me to eat raw meat. I said, how can I eat raw meat? How can I eat raw meat? I was crying. I cry every day. I never seen anything like this. And I have nobody to talk to. I have nobody to talk to. I was crying. I was crying. But Jesus was watching everything. Jesus was watching everything. And at night, I don't know what happened. And during the day, I was forced to eat raw chicken for many days. Until one day, I reclaimed the spiritual leader said, now you are ready. Now, when I was preparing for this talk just this morning, the Lord showed me something. He said, there is something very important that you need to speak about. And I said, oh, he reminded me when one day Aurora came in my dream and said, Celestine, I need you. I need your help. Give up school. Yeah? I will be in charge of your life. Don't worry about your spiritual life. Don't worry about your physical life. And one day, I had in a dream, it was not too much dream, but in Ekaka, there is something called the road of power. This is the power that they give to the spiritual leader. It's like a long white light, vertical white light. And they pushed me inside the white light. In your dream? Yeah. In your dream? It was like an experience. Experience, yes. Okay. It was not just dream. I was aware of what was happening. You was aware? Yes. And this happened where? In the location where is Ekaka or where? In Ekaka. In Ekaka? Yes. No, you was in that place in Chanhassen? I was sleeping. You was in sleeping? Yes. And in your dream? Yes. You went to that place? Yes. To the location? Yes. Okay. And the spiritual leader was there. Another egg master, they were there. And they put me inside this huge white light. And when I wake up, I said, oh, you are no longer the same. And I gave birth to two children, to Peter Skelski. Even though he went to the court and he said, he never had sex with me. Now, after I gave birth to these two children, one day I saw Peter Skelski and I, both, we were standing in the white light. In the white light, and I went to Ekaka office and spoke to him. That day, I told him about two things. I told him about our son, because Arakrem came in my dream. He said, hey, this is your son, this is your son. I said, Arakrem came and showed me our son. And, well, he said he's not ready to adopt another child. This I will explain this later. Now, when I told him about the light, he was so happy. He was so happy because he knew what this meant. It was like he became a master. And this is Peter and Skelski and I were standing into the white light. Before he goes on stage, he will have sex with me. Now, I just want to understand what's going on. Mm-hmm. Are you married? No, I'm not married. Okay, you're talking about having, you know, sex in dream with all these people. No, it's not dream. It's okay. Not dream. It's not in dream? No, sex is not dream. It's really stuff? Yes, sex is real. Now, you get sex with both? This is Peter Skelski. In a physical? Yes. And you got your child? Yes. With him? Yes. What's happening again? Can I explain? Go ahead, because I'm shocked when you say, when you know, you're let's talking about the really issue, mm-hmm. going to Ekaka, mm-hmm. you got two spiritual leaders, you know? No, it's not two spiritual leaders. We have one spiritual leader, and we have the president of Ekaka. Okay. This is the president of Ekaka. My issue with him is about the children. Okay. So now we are talking about the spiritual. Okay. Now, je voudrais parler de mes spirituelles expériences en Ekaka. Et avec, je vous avais dit en tant que le maître vivant a introduit quelque chose de sanguin dans mon corps. Et il a dit que je vais devenir le prochain maître vivant. Now, voilà ce qui s'est passé. Un jour, il est venu dans ma chambre. Et il s'est transformé en serpent.
Et j'ai commencé par crier. J'ai dit, je vais aller voir tout, je vais parler aux équistes, aux membres des Kaka pour leur dire que vous êtes, que le maître vivant s'est transformé en serpent. Et il a dit, non. Et quand il a dit ça, je me suis retrouvée dans un endroit très joli. Et je chantais, je dansais. C'était très beau. Et un jour maintenant, il m'a forcé à acheter la viande de poulet. Quand j'ai acheté la viande de poulet, je voulais manger. Il a dit non. Tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas préparer. Je voulais préparer. Il a dit non. On ne prépare pas ici. Tu dois manger cru. Donc, si je comprends bien, mm-hmm. vous allez continuer. Hein? Mm-hmm. Si je comprends bien, tout ce que vous êtes en train de dire là, mm-hmm. c'est un rêve. Ou bien c'est physiquement. C'est un rêve? Non, physiquement, je suis allé acheter. Vous êtes allé acheter? Oui, je suis allé au marché acheter okay. pendant la journée. D'accord. Allez-y. Et pendant la journée, c'était pendant la journée. Et je voulais préparer. Il a dit non, ne prépare pas. Parce qu'ils ont introduit quelque chose dans mon ventre, je pouvais l'écouter à tout moment. Voilà, ça là le secret. Voilà le secret que les membres de Kaka ne connaissent pas. Les membres de Kaka, ils expérimentent l'amour. Mais d'où vient cet amour? D'où vient cet amour? Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont introduit quelque chose dans mon ventre, je fais partie maintenant de leur cercle secret. Où ils mangent la viande crue. Maintenant, quand j'ai quitté, il a fait la confession. C'est à ce moment qu'il a dit que l'initiation des Kaka, c'est seulement le sang humain et la viande humaine qu'on donne aux gens. Donc, ce que la nuit on mangeait, tout le monde, il donnait à manger aux gens. C'est ça le secret que les gens ne comprennent pas. Maintenant, c'est parce qu'ils ont introduit quelque chose dans mon ventre et ils veulent me faire maître être vivant. Donc, un jour, Harold est venu me dire, le maître être vivant, le spiritualité est venu me dire qu'il a besoin de mon aide, de moi, de laisser tomber l'école, de laisser tomber le travail, que ma vie spirituelle et ma vie physique est dans ses mains. Et après ça, je me suis retrouvée dans une couronne de lumière blanche. C'est ça qu'ils appellent le bâton de pouvoir. Une nuit. Et il était là. Je me suis retrouvée dans cette couronne de lumière. Et le maître m'a dit, je ne suis plus la même. Maintenant, le président des Kaka, j'ai deux enfants avec lui. Après, je vais vous parler de lui, des enfants. Et un jour, je l'ai vu dans la lumière. Nous étions deux dans la lumière blanche. Maintenant, je suis allée au temple pour lui parler de ça et lui parler de mon fils. Je lui ai dit que le maître m'a montré mon fils en rêve. Et je l'ai vu, on était deux dans la lumière blanche. Il était tellement content quand je lui ai parlé de la lumière, parce qu'il comprenait ce que c'est. C'était tout comme s'il était devenu le maître. Donc, il a beaucoup de pouvoir. Donc, Pireskelski, avant d'aller sur le podium, il me viole. Et il m'a violé pendant 10 ans. C'est vraiment douloureux. Je pleurais, j'ai pleuré. C'est quand j'ai quitté maintenant que tous ces secrets ont commencé par sortir. Quand je suis allée dans mon église, là où il y a l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint a fait que le maître, le spiritual leader, a été forcé de dévoiler tous les secrets. Il a dit que l'initiation en Ekankar, c'est seulement au sujet du sang humain, que c'est parce qu'il donne son sang aux membres, que c'est ça qui explique l'amour fort qui existe entre lui et les membres. Et il a confessé tout à mon pasteur. Il a dit que la viande, il feed les gens, il donne à manger aux gens la chair. Je voulais un peu comprendre. Mm-hmm. Qui est venu se confesser devant le pasteur? Quand il y a un esprit malsain en vous, et un démon, quelque chose qui n'est pas pur, qui est satanique en vous, et vous venez dans cette église est une église de délivrance. Ça s'appelle Solution 5 heures. Quand le pasteur commence par prier, l'esprit qui est en vous commence par parler, pas commencer par vous dire ce qu'on vous a fait. L'esprit parle. Donc, l'esprit Mahanta, c'est l'esprit qui est en Aroclin, a commencé par dévoiler tout ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, et pasteur a dit, mais ils ont fait un convenant avec toi,
avec le sang. C'est pour ça qu'ils t'ont eu. Et au moment où vous étiez à l'église, tout ça, est-ce que vous avez pu enregistrer? Oui, il y a eu des révélations qui ont été enregistrées. Puisque la prophète a fait des révélations qui ont été enregistrées. On va y revenir parce que vous avez vécu vraiment une vie atroce. On parle atroce comme vous l'avez senti. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de la bonne, du bon des Kanka. Ils disent qu'avec les Kanka, ils se sentent à l'aise. Mais il y a des gens qui veulent parler mal des Kanka. Ils sont libres de parler mal des Kanka. Mais vous êtes là-dedans. Je pense que vous êtes en train de délivrer des secrets. Peut-être qu'ils peuvent aller contre vous plus tard quand les gens vont entendre cela. Non. Parce que les gens regardent ce que vous êtes en train de dire. Je suis ici au nom de Jésus. C'est le sang de Jésus. Je suis baignée dans le sang de Jésus. I am sitting here with Jesus Christ. I plead the blood of Jesus in everything that I do. One day, I went to church. And the prophetess, she saw me coming. She said, oh, she started prophesying. Celestine, come here. The Lord said, you are my representative. The Lord said, you will tell your story. You will tell your story. Everything that Ekaka did to you, they will pay you. You will tell your story. Go talk to my people. You cannot hold this story inside you. Go and talk about your story. Je suis ici. Un jour, je suis allée à l'église et la prophétesse m'a vue. Elle a commencé par faire une révélation. Elle a dit, Jésus a dit, Célestine, tu es ma représentante. Tu vas parler de ton histoire. Le monde entier doit t'écouter. Tout ce que les gens t'ont fait en Ekankar, tu vas dévoiler leurs secrets. Donc je suis ici, baignée dans le sang de Jésus. Je suis baignée dans le sang de Jésus. D'accord. Et c'est à l'église que j'ai compris beaucoup de choses. Qu'on va revenir sur cette histoire d'église, mais essayons. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Ekankar? Parce que vous avez reçu quand même des enseignements, vous avez reçu de la lumière. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Ekankar? Quand vous rentrez en Ekankar, le maître vous dit, je vous prends votre karma. Je vous prends vos karmas, votre karma, sur ce qui s'est passé dans vos vies passées. Et je prends ça. Et quand il prend ça, il supporte ça. Il dit qu'il va supporter. Mais après, il ne commence pas à vous donner ça petit à petit. C'est ce qu'il dit. Donc, quand il prend ça, votre vie devient rose. Vous avez la promotion. Vous avez l'argent. Vous êtes riche. Mais quelques années après... Mais vous n'avez pas eu aussi un peu d'argent? Oh, qu'est-ce que j'ai eu? Allez-y. Donc, après quelques années, votre vie commence par... Vous commencez par perdre tout. Quand vous avez une initiation supérieure, vous commencez par perdre votre travail. Il y a la mort dans votre famille. Il y a tout, des choses anciennes. Donc, when you join the Kankar, the master tells you, I'm going to take your bad karma, what you did thousand years ago. I will take it and... Promote you? Yes. Okay. And I will take everything. And after that, your life, you started having, you know, a better life. Your life started shining. And years later, you started experiencing death. Maybe death in your family, you lose your job, everything, your life turned upside down. And he tells you that he giving you back your karma, what you did 2,000 years ago. Oh my God, Jesus has paid for this price. Everything, Jesus shed his blood. You let Jesus, and you went to Ekankar. Yes. And now we came back to Jesus. I am back to Jesus, and I'm here to that. I give my life to Jesus. I give my body as a living sacrifice to Jesus. Je donne ma vie à Jésus. You give all your life to Jesus. To Jesus now. And everything you're doing is Jesus. It's Jesus. Jesus has saved my life. I understand that when in a... Je comprends maintenant qu'en Ekankar, quand on vous dit, hey, je vais prendre votre karma, Jésus a déjà payé pour ça. Jésus est mort sur la croix. Il a payé pour tous nos péchés. Jesus paid for all our sins. How can I be judged twice?
Jesus has already paid for everything. Now a kanka will bring you back what Jesus paid for and asking you to pay for it again. It cannot happen. It is not right. It is wrong. And the white light is not the light of God. Okay. I think that, you know, we are running out of the time. Mm-hmm. And it's satanic light. Yes, ladies and gentlemen. La lumière blanche n'est pas une lumière de Dieu, c'est une lumière satanique. Harold Klemp, le spiritual leader, a expliqué ça. Parce que quand je suis arrivé aux États-Unis. Yes, we have some picture here before mm-hmm. we're gonna hand this. We have some picture here. I think. Voilà ma photo quand j'étais rentré en Ekanka. Et ils ont commencé par tuer ma famille. Quand ils m'ont j'ai commencé. They started killing my family members, giving me sickness. See this picture, you know. I can see this picture, and I saw two teeth here. Uh-huh. I don't know if it's where they give you these teeth. No. Okay. They left me for dead. Okay. Peter was raping me for 10 years. Okay. They just left me for dead. All they knew, Peter knew was you know, they were just treating me like an animal. Okay. Look at this picture. All these pictures. Mm-hmm. And this is the light. You see this picture? This is before I joined the Kankar. Yeah, put it in this. This, yeah. This one, you see how I look like when they were raping me? You see? When they were using me. And there is one thing that is very important. What is this picture about? This is the light. When I came to the U.S., a friend of mine took the picture. They said, oh, there is a light behind you. This is not the light of God. The spiritual leader has confessed that this is a satanic light. Quand j'étais arrivée aux États-Unis, ils ont pris ma photo et les gens voyaient la lumière derrière moi. Mais quand j'ai quitté Ekankar, le spiritual leader, il a fait la confession, il a dit que ça c'est une, ce n'est pas la lumière de Dieu, que c'est une lumière satanique. Maintenant, before every major seminar, I feel the heat, the fire over my head. Avant chaque séminaire, séminaire majeur, je sens un feu qui brûle dans ma tête. C'est tout comme si on me met dans une fournaise. Et le spiritual leader dit, oui, tu as le pouvoir, non? C'est toi, c'est ça le pouvoir. Sans ce feu, les gens ne vont pas expérimenter l'amour au séminaire. I feel fire over my head before every major seminar. And the spiritual leader tells me, yes, that's the power. Without this fire, members of Ekanka will not experience the love that they are experiencing. So behind this love, there is somebody dying. I was dying. And when people were experiencing love, the love they speak about all the time. I want the whole world to know that behind the love that they experiment in Ekanka, a human being is dying. Celestine was suffering. Yes. I understand. And I know you was so suffering. Mm-hmm. We are running out of the time. Okay. You have some book here. You want to talk about very quickly. Okay. I'm not the first quickly, person exposing the secret of Ekanka. This man, his name is Ike Nathan Ozurma. He was a master of the occult kingdom. So no say. Ike Nathan Ozuma, yes. Il était un maître du royaume satanique, okay. Comme Harold Klemp. Il a expliqué tout sur les cancars, comment okay. ils utilisent la chair humaine. Okay. And now, he left the satanic kingdom, he's an apostle for Christ. Okay. Il a quitté le royaume satanique, il est un apôtre pour Jésus-Christ. Il a exposé tous les secrets. Et les gens voulaient le tuer. Et Jésus-Christ est apparu à lui pour dire, je suis venu pour te sauver. Donc, tout ce qu'ils ont mis dans mon corps, le sang de Jésus a tout balayé. What they put in my body, the blood of Jesus removed everything. Then you have one tape here. What's going on with this? Yeah, this tape is called Thanks for the Help and Love. Okay. Harold Klemp spoke about me. They call me a star of God. We have another tape called The Power of Love. Now, The Power of Love. This is the original tape where you can find my story, where Harold Klemp
in his own word. He said he gave me dream to move to the United States. I was sick. I had something in my belly. He came and removed this thing from my belly. Alors, quand pas parlé de moi à deux séminaires, one said, thanks for the help and love. Il m'a dit, je suis une étoile de Dieu. Et dans la seconde histoire, j'étais malade. Et il a dit qu'il est venu à l'hôpital pour prendre quelque chose dans mon ventre. Et à l'hôpital, quand vous étiez à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a opéré? On devait m'opérer. Mais ils ont refusé de m'opérer parce que je n'avais pas l'assurance. Bon, d'accord. Parce que je n'avais pas l'assurance. D'accord. On m'a laissé dans la salle d'attente et je criais. Et alors, il a dit qu'il est venu pour prendre ce qui est dans mon ventre. Voilà. Maintenant, ils ont réédité le tape et ils ont enlevé mon histoire. Donc, si vous voyez un tape comme ça, mon histoire n'est pas dedans. Le titre, c'est le Power of Love. D'accord. Rapidement, nous allons parler des deux enfants que vous avez eus avec un autre maître, avec Kankar. Comment ça s'est passé? Lui, c'est le président de Kankar. Mm-hmm. C'est Peter Skelski. Voilà. Oui, donc il m'a grossi. Il m'a dit de ne rien dire à personne. Quand il m'a grossi, à Rockland, je viens de parler d'une histoire là où à Rockland est venu prendre quelque chose de mon ventre. Quand j'étais grosse, on m'a interdit d'aller aux activités de Kankar. Donc, aucun membre de Kankar ne m'a trouvée enceinte. Mais là, quand je voulais, il était temps d'accoucher, le spirituel leader est venu pour me dire que je n'irai pas à l'hôpital. Il dit, mais comment je vais accoucher? Il a dit, te souviens-tu de l'histoire où je suis venu prendre quelque chose dans ton ventre à l'hôpital? Hein? Et j'ai dit oui. Il dit, c'est comme ça que je viens de prendre l'enfant. Mais que vous allez faire le dernier test. Que je vais voir mon enfant. Donc, vous êtes avec les deux enfants, vivent avec vous actuellement? Non, non. Ma première fille vit avec Peter Skelski. Now, Peter Skelski m'a appelé dans son bureau pour me dire qu'il est en train de dire à tout le monde qu'il a adopté l'enfant, de ne rien dire. Et maintenant, deuxième enfant? Le deuxième enfant a été adopté par une autre personne. C'est toujours avec Peter Skelski? Non, le deuxième enfant n'est pas avec lui. Non, mais qui a fait? Vous avez fait les deux enfants avec Peter? Avec Peter Skelski. Okay, il est allé au tribunal pour dire qu'il n'a jamais fait l'amour avec moi, mais j'ai son sperme ici. Le spirituel leader Harold Klemp a dit... Donc, vous avez le sperme de ce monsieur ici. Parce qu'il a dit qu'il n'a jamais fait l'amour avec moi. Il est allé au tribunal pour mentir là-bas. Donc, vous avez fait le DNA, tout est... On n'a pas fait le DNA, il a refusé de faire le DNA. Le spirituel leader a dit que quand le moment va venir, je vais faire le DNA avec mes deux enfants. Et je vous dis à tout le monde que voilà le moment qui est arrivé et j'ai besoin de mes enfants. Le spirituel leader, s'il m'écoute, j'ai besoin de mes enfants. On va faire le DNA, il n'a qu'à demander à Pilate de me donner mes enfants. Maintenant, Jésus-Christ... Donc, vous n'avez même pas accès à votre enfant, vous ne les appelez même pas. Je ne les appelle même pas. Je ne les appelle même pas parce qu'ils utilisent leur technique de voile durant pour faire les choses. Donc, Pilate, c'est un blanc. C'est un blanc. Il est un blanc. Voilà ce qu'ils ont fait de moi. Et je veux que tout le monde entier soit au courant. Je pense que nous allons encore revenir sur cette belle histoire qui choque un peu le monde entier, parce que vous avez mis cette histoire sur dans les vidéos, parce que quand on va sur YouTube, on a possiblement ces vidéos et vous parlez beaucoup de choses. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous avez été guéri, vous avez été délivré par une église de la place dont vous avez parlé. Universal Christian Ministry. Mm-hmm. You was delivered by this church. Yes. We will come back later and talk about it because we are running out of the time. Okay. Your last word. Kankar is a fraud. It's not a true religion. And God is using me now to tell the world that the way is Jesus Christ. If Jesus delivered a master of the occult kingdom, and Jesus delivered me, he's ready to deliver anybody. Harold Klimp, Peter Skelski, you need to come to Jesus. You know, you are aware that what you are doing is wrong. I'm encouraging you to come to Jesus. Jesus is the way. Yes. Jesus is away, and this is the lady who is crying today on Jesus. Before she was Catholic and she left the church. I was just thinking that maybe she don't believe Catholic church. I soak my soul in the blood of Jesus. Because you are trying to get a new life where, you know, people can just put me in darkness, and you was living this kind of darkness. Yes, darkness, yes. Mesdames et messieurs,
Je crois que ça, c'est la fin de notre émission. Nous allons revenir possiblement sur cette histoire parce que c'est une histoire qui, aujourd'hui, fait le tour de ce monde. Cette femme qui s'appelle aujourd'hui Célestine Deboe, elle est originaire du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Elle est venue ici et voilà l'histoire qu'elle a vécue avec les Ekanka. Mais je ne dis pas que je suis contre les Ekanka, mais c'est elle qui croise ce qu'elle a vécu réellement dans les Ekanka. Alors si vous êtes là et que vous voulez participer à cette émission, vous voulez la contredire, si vous êtes équiste, vous êtes libre d'appeler le numéro qui est sur votre écran. Ladies and gentlemen, this is today the story we were talking about. I'm not the one who's talking about, you know, the story. This is the lady who was living a darkness of what, you know, you understand. If you are there and you are from Ekanka and you want to just talk about the Ekanka or go against what the lady is talking about, just call the number on your screen and we'll be ready to invite you here the way we invite her. This is your TV show. We also need your help. We was just spend our time to give you the news. If you don't see us and you watch the same news, it's because we need your help, the financial support, and give you the best of what we can. Serge Niawa for your TV show, Africa Rendezvous Connection. Thank you for watching. Celestine. Merci, monsieur. I'm very, very happy to have you on my microphone. It was my pleasure to invite you because you have all this story in your soul, inside of your body, and you cannot handle this kind of situation. Thank you also for my crew, Tammy. She was here to help, you know. That was so beautiful. And also my friend Ali Eura, also, who was here to help us, you know, to make, you know, this show. Merci donc à Tammy et Ali Eura qui étaient à la réalisation de cette émission. Et Serge Niawa, Iva TV Show, Africa Rendez-vous Connection. À plus tard. No one. Hello, how you doing? My angel, my one and only, the only one that I'm missing. Where they bring me joy and blessings, you know that I love you, and I can't wait to say I do. But before we walk down the aisle, I just wanna let you know that you're the finest. May you be the finest being I've seen. You're the brightest. The way you the shine, the bling like me, you're the highest. When it comes to rating, you're the lead. My princess, my only one lover. And I just wanna let you know that no one be like you. See, I don't go different places, I've seen many faces. No one be like you. See, they cannot replace you, cause you are a blessing. No one be like you. You're driving me crazy, cause you are my baby. No one be like you. No one. One like you, no one. About a year ago, before I met you, yeah, there was no possibility for me to be rescued. But thank God I found you, yeah, I cannot do without you. Now since then I go different places, I've seen many faces that cannot replace you.